le parcours Chartreuse-Col de Porte. On redescend dans la vallée au niveau de Grenoble et on remonte dans le Vercors vers Villard-de-Lans et on revient par Fonturel, Gorge de la Bourne, puis Saint-André. Et tout va bien, il est 7h. Ça avance. Allez, on se rapproche de la Chartreuse. Belle petite route. Tu la mets juste avant. J'ai tracé avec Komoot. Juste avant Komoot, il m'a fait passer par une montée de 21%. Et pendant pas mal de mètres, peut-être même une centaine de mètres, on a séché. Mais bon, quand après on retrouve sur des petites routes comme ça, vraiment plaisir. Allez, la montée au col de Port, ça continue. Bon, route barrée pour travaux, j'hésite quand même à passer. Sinon c'est par le col du coq. J'ai pu prendre une petite déviation sur de la mini-route là. C'était presque une gravel. Petit souvenir de la Desertus. Ah, c'est bon ça. Ouais, voilà. Ici à l'école, au centre aéré, dans l'école village, ils vont à la montagne. Ils sont bien là. Allez, on redescend jusqu'à Grenoble avant d'attaquer la deuxième grosse montée de la journée dans le Vercors. Allez, Grenoble. Allez, dans le Vercors. 15 km là que je monte. Deuxième montée là de 15 km aujourd'hui. Et je suis dans la gorge, dans les gorges du Furon. Pour arriver sur le plateau du Vercors, il reste pas grand chose. J'espère que je pourrai trouver de l'eau là-haut. J'ai quasiment plus rien. Gorge de la Bourne, une des plus belles descentes en vélo à faire. Ceux qui ne connaissent pas, je recommande vraiment. Je ne pourrais pas filmer une grosse partie, mais... Allez, col de Romeyère. Maintenant, la descente par les Écouges. La descente des Écouges du col de Romeyère. Il reste 60 km. Ça commence à être un peu dur. En plus, c'est vent de face, donc ça avance pas bien vite. Mais bon. Il ne reste plus grand chose. Col de Toutor. Probablement le dernier du périple. Là, 194 km. Ah, sympa là. Et il en reste 54. Là, ça descend sur la côte Saint-André et après retour jusqu'à Valencin, un peu avant Lyon. Et encore un col. Ah, c'est cool là, depuis la pause de tout à l'heure, j'ai bien repris le rythme. Col du Grand Devez. Allez, 28 km, il reste.